Bonjour à tous et bienvenue sur Business Sound TV Gospel. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir avec nous un artiste. On peut dire un artiste parce que... Alors, on va tout de suite... Reste avec moi. Un artiste. En fait, c'est un saxophoniste. C'est un saxophoniste. Il s'appelle Dadou. Il est avec nous quand même. Bon, Dadou, bienvenue sur le plateau Business Sound TV Gospel. Ah, merci Pascal. Et puis merci d'avoir accepté de venir sur le plateau et de pouvoir faire cette interview avec nous. De manière à parler de ton instrument. Mm-hmm. Je ne leur ai pas encore dit qu'est-ce que tu fais comme instrument. Je l'ai dit ? Non. Il me semblait pourtant. Qu'est-ce que j'ai dit en fait ? Saxophoniste, non, c'est ça ? Oups ! Ok. Ouais, ça a fuité, hein. Ah, ça a fuité, oulala, bon. Vous avez rien entendu, hein. Ok. Alors, mais qu'est-ce qui t'attire en fait de la cet instrument ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Qu'est-ce qui... Tout d'abord, c'est la beauté de l'instrument en lui-même. Je trouve que c'est vraiment un bel instrument. Et puis, les différentes sonorités qu'on peut avoir dans le saxophone. Des sons chauds, des sons beaucoup plus cristallins, aigus. Et puis, le fait de... que ce soit une partie de nous, notre souffle, qui donne vie à cet instrument, franchement, ça, c'est ce qui m'a plu. Mmh. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un instrument difficile à apprivoiser ? Parce que souvent, les gens disent « Ouh, saxophone, non, je peux pas, c'est compliqué. » Hein, tout le monde dit ça, non ? C'est pas forcément compliqué. Tout dépend de l'énergie qu'on y met, tout simplement. Donc, la personne qui est motivée à apprendre, apprendra, tout simplement. Ouais. Mmh. Non, je suis d'accord, c'est vrai que... Je pense que c'est comme pour la plupart des instruments, je pense. Il faut de la volonté. Voilà, il faut de la volonté. Ouais. Et tout à l'heure, j'entendais un riff là, en interlude. Mm-hmm. Quelle est ta première source d'inspiration pour le coup ? Ma première source d'inspiration, c'est Dieu. Yeah. Donc, mon instrument, je l'ai dédié à la louange. Mm-hmm. Je l'ai consacré à Dieu. Et je fais en sorte que tout ce qui sort de cet instrument fasse l'éloge de Dieu. D'accord. Et effectivement, par le souffle qui traduit le souffle que Dieu te donne, tout à fait. La vie, on peut le transposer comme ça. Mm-hmm. Et ouais, effectivement, on peut dire gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Donc effectivement, première source d'inspiration, Dieu. Dieu. Et pour le coup, je peux te demander de nous faire une petite dédicace. D'un morceau que tu affectionnes particulièrement. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Un morceau qui dit comme un Dieu grand. Ouais. Grand et bon. Ouais, je suis partant, moi. Ça vous dirait ? Allez, on va écouter ça ? Bon, on y va. C'est parti, allez. C'est parti.